Nord du Cameroun, une région mythique pour la chasse africaine. Nous sommes dans le territoire de Celtic Safari, fondé et dirigé par Patrick Leparc, un breton qui a fait ses armes il y a 15 ans au Burkina Faso. Amodiataire d'un territoire de 100 000 hectares et guide de chasse, il vous invite à le suivre pour un safari inoubliable. Dans la zone 17, vous allez découvrir un relief très varié qui convient à chaque chasseur. Immense plaine, vaste plateau, montagne de 1400 mètres où se concentre la faune locale, buffles, éléphants, bubales, cobas et diverses antilopes. Cet immense espace, vierge de toute occupation, a la chance d'être très irrigué par plusieurs rivières, par des mares naturelles, des zones humides où vous allez forcément trouver le phacochère, le potamochère, le cope de Fassa ou le gui barnaché attiré par l'ombre et l'eau. Vous viendrez en avion à Garoua et vous serez transporté en 4x4 climatisé jusqu'au camp à 5 heures de route. À 540 mètres d'altitude, il permet aux chasseurs de bénéficier d'une agréable fraîcheur, en particulier la nuit. Cuisine raffinée, blanchissage quotidien, le personnel du camp est totalement à votre service et aura à cœur de faire de votre safari un séjour exceptionnel. Bien sûr, chasseur avant tout, votre première disposition, après vous être installé dans votre boucarou, est de vérifier le bon fonctionnement de votre carabine, avant de vous accompagner dans la savane arbustive pour faire vos premières approches sur quelques antilopes ou phacochères. C'est ce que fait notre ami Fernand en approchant un céphalope de Grim, alors que Pascal cherche des phacochères dans un toléré. Dominique, lui, est venu cette année spécialement pour le buffle. Sur la piste, les laissés et les empreintes de gros sabots pointus sont récentes et Patrick décide le pistage. Plusieurs méthodes sont possibles, mais le pistage est certainement le plus passionnant, le plus pédagogique et le plus fort en émotion. Trace après trace, sous le soleil d'Afrique, la poursuite de notre buffle se fait au rythme effréné du bruit des tourterelles. Après une heure, nous sommes au contact. Il faut choisir un mâle, positionner le chasseur. Mais le vent est capricieux et joue contre nous. Ce sera pour demain. Pendant ce temps, Fernand a réussi à tirer son buffle. Le klaxon de la victoire annonce la bonne nouvelle. Adulé, notre ami Fernand est le roi du jour. C'est son premier buffle, son premier safari, il a 70 ans. Sur le rond de mort, le roi n'est pas son cousin. Les jours s'enchaînent et le gibier s'entasse. Bubales, gui barnaché, buffles, diverses antilopes compléteront le tableau de chasse de nos amis chasseurs. Place à Samuel et à la taxidermie pour préparer soigneusement vos trophées. Super. Ainsi s'écoulent les journées de safari, entre des moments de chasse forts et intenses et des soirées douces où la convivialité est de mise. Le plaisir des retrouvailles, du pot, de la table où chacun raconte sa journée font de ces séjours des moments inoubliables.
Un voyage au Cameroun, accompagné par Celtic Safari, ne s'oublie pas. Des souvenirs de bonheur cinégétique, un séjour confortable dans une Afrique colorée où la chasse reste authentique. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par internet, regardez les photos, rêvez de votre futur voyage et laissez un message, nous serons ravis de vous répondre.